Il y a un texte qui c'est continuité, l'évangile qui racontait nous ou bien qui présentait nous, ça nous relait la prière sacerdotale de Jésus. C'est en la prière que Jésus fait d'abord pour disciples, pour le remercier papa, et fait pour disciples, et fait pour nous-mêmes tout qui, eh bien, pour embrasser la foi après que disciples, apôtres, annoncé, eh bien, parole bon Dieu. Mais centre qui n'a capable dit point fondamental dans texte ça, c'est l'unité de l'église, qu'il soit un. Mais unité ça, c'est pas seulement une unité vague, mais c'est une unité qui joue une référence li dans relation que Jésus tissait avec papa et relation que nous-mêmes n'a tissé avec Jésus et que Jésus a tissé avec nous. Relation que Jésus tissait avec papa, c'est parce que lui-même avec papa, il fait yon seul. Papa nan li et ni l'an papa. Donc c'est-à-dire entre papa avec petite là, gagne réellement une grande intimité. Yo très proche, yo très collé. C'est-à-dire pas gagne rien que petite là caché pour papa et pas gagne que papa caché pour petite là. C'est-à-dire qu'on gagne un véritable échange entre papa avec petite là. Papa vive dans petite là et petite là vive dans papa. Donc en quelque sorte ils ont vie de transparence. Papa par rapport à petite la transparent et petite la par rapport à papa transparent. Donc pas un secret que papa connaît que petite pas connaît et pas gain en réalité que papa a gagné que petite la pas gagné. Parce que s'il est capable de vivre dans lui et lui-même lui vivre dans l'autre là, donc ça montrait que en quelque sorte, il y a un véritable échange et maintenant pas gain d'a dit un patrimoine que papa a gagné pour dire c'est pour moi. Ni petite la dit c'est pour moi, mais si yo en commun. C'est véritable unité ça que Jésus lui-même l'a invité nous vivre. Mais Jésus allait beaucoup plus loin, surtout dans l'évangile là, il priait pour nous-mêmes, pas seulement dans la première partie dans l'évangile ça même qui montrait comment Jésus priait pour apôtres lui, pour yo, pour bon Dieu capable protéger yo contre le mal. Contre toute forme d'adversité, parce que yo pas, même si y a vivre dans le monde là, mais y a pas pour le monde là. Mais deuxième partie prière là, c'est ça Jésus fait pour Sila yo qui pral croire, qui pral embrasser la foi, parce que yo pral tende paroles que apôtre sa yo même yo pral yo t'a annoncé. Et c'est ça Jésus dit dans l'évangile la Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là. Mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. C'est-à-dire, nous jouis de yon héritage que apôtre yo recevoir de Jésus, et yo même yo, de manière fidèle, légué nos héritages ça, et que nous-mêmes nous gagnons par la suite pour que nous-mêmes nous, et faire retransmission fidèle de dépôt grâce à la foi que nous recevons grâce à prédication. Eh bien, apôtre. Donc c'est pour ça Jésus la prière pour nous, pour que réellement unité que apôtre vive dans Jésus, bien que Jésus vive dans véritable unité avec papa, et que apôtre vive dans même unité avec Jésus, et que nous-mêmes qui vînes croire, nous vînes vivre dans unité ça, et que même privilège apôtre que nous-mêmes nous recevoir, même grâce que apôtre recevoir, que nous-mêmes nous recevoir, pour qui raison? Parce que Jésus vive dans papa, papa vive dans lui. Et nous-mêmes, Jésus vive dans nous et nous vivons dans Jésus. Donc c'est-à-dire, dans Jésus nous vivons dans papa. Dans Jésus nous vivons dans papa. Son mystère extraordinaire qui demandait en quelque sorte pour que c'est de la méditation, de la prière que nous pourrions comprendre véritable communion réelle ça, véritable unité ça qui fait que n'a communié dans bon Dieu papa. Non, Jésus-Christ. Parce que Jésus vive dans nous et nous vivons dans Jésus. Jésus vive dans nous. Comment Jésus vive dans nous? C'est dans l'Eucharistie, de nous communier, de nous la prière, il vient vivre dans nous et fait nous tourner de un véritable tabernacle vivant. Maintenant, livrez que, en quelque sorte, nous-mêmes, nous bénéficions héritage ça. Jésus dit une parole dans la prière, ça que m'aimé, il dit que, tant prie, fait que côté moyen, c'est là, nous toutes, nous vaillons tout.
ça fondamental. Parce que communion, ça fait que nous vivons dans Jésus. Si nous, Jésus a vivre dans nous, nous vivons dans Jésus. Donc, nous pas qu'à vivre en dehors de Jésus. Donc, c'est-à-dire que côté Jésus, c'est là nous y est. Et c'est là napier parce que le mandé papa, c'est là pour nous y est. Et nous pas qu'à pas côté Jésus parce que Jésus a vivre dans nous. Donc, si Jésus a vivre dans nous, si Jésus a déplacé, l'a déplacé avec nous. Et côté la pierre, c'est là que nous-mêmes napier parce que il y a une réalité qui tisse nous réellement avec lui. C'est-à-dire que la vie nous gagne sens que dans la présence de Jésus. La vie nous gagne sens que dans la présence de Jésus. C'est-à-dire au monde qui va vivre dans la présence de Jésus, donc, quelque part, ou va vivre dans l'enfer, parce que l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Et ça, c'est fondamental. L'enfer, c'est l'absence de Dieu. Donc, l'évangile, je dis, de nous comprendre que Jésus voulait montrer nous que nous devons raccrocher, attacher avec lui. Pas gagner une vie en dehors de Jésus, mais une vie greffée. Ils ont vie greffée dans Jésus. Et maintenant, on vit qui greffée, c'est-à-dire, ils ont vie côté c'est sève Jésus qui nourrit. C'est sève Jésus qui nourrit. Donc maintenant, si sève Jésus nourrit, donc on vit dans Jésus, et greffe là bien prend. Parce que il y a des artères, il y a des tissus qui prennent le coude entre eux. Et maintenant, déchirure là, on déchirure qui est grave. Parce que lorsque vous font greffe, et papa, c'est technicien agricole, vous savez bien. Lorsque vous font greffe, et greffe la l'aile bien prend, soit le chire, après le fin prend, ou après que déchire, puis sève la couler. Parce que, et connexion tellement bien faite, c'est que sève qui nourrit pied bois, c'est lui-même qui nourrit greffe qui que vous venez poter sous pied bois. Et bien, c'est même genre avec Jésus. Lorsque nous raccrochons avec Jésus, et bien, Jésus nourrit nous de sève li. C'est-à-dire, un chrétien qui nourrit de sève Jésus, transpirer Jésus. Transpirer Jésus. Un chrétien qui nourrit de sève Jésus, eh bien, vive de Jésus que de Jésus. Et ça, il faut être fondamental pour nous comprendre. Vive que de Jésus. C'est-à-dire, pas qu'une autre réalité qui va vivre au sens que le joint sens li dans Jésus. Mais comment nous pourrons être capables de vivre la réalité ça beaucoup plus en profondeur? C'est parce que Jésus, il te promet à porter l'esprit. Il dit que okay, si je ne pas monter, paraclet. Si je ne pas aller, paraclet, pas vini. Et maintenant, lorsque paraclet a vini, c'est paraclet qui a conduit nous vers la vérité tout entière. Plénitude la vérité. Donc c'est paraclet qui pral un véritable formateur, un enseignant pédagogue. Qui pral former nous en quelque sorte pour que réellement nous capables arriver à assimiler et maîtriser message Jésus yo. Et pour nous arriver comprendre en quelque sorte ah me songer le Jésus t'a dit ça mais qui ça l'a dit, c'est-à-dire parole bon Dieu c'est youn recevoir parole là c'est youn interprétation parole là c'est youn compréhension parole là c'est youn retransmission parole là c'est une autre réalité parce que tout autant qu'on pas maîtriser ou pas capable retransmettre. Faut que d'abord ou maîtriser parole là justement pour que retransmission capable possible. Et si là qui capable retransmettre parole bon Dieu, c'est si là qui recevoir l'esprit là et c'est grâce à l'esprit bon Dieu que nous capable faire retransmission de manière fidèle parce que l'esprit Saint c'est lui-même qui pral conduire nous et faciliter fidélité à même en quelque sorte. Donc c'est ça. Donc ce qui fait nous chaque comme chrétien, si que nous pas vivre dans intimité l'esprit bon Dieu, eh bien fidélité, unité avec Jésus, pral difficile parce que l'esprit c'est l'esprit d'unité, qu'il soit un, mais gon l'esprit qui facilite unité, ça c'est l'esprit Saint parce que l'esprit c'est l'esprit d'unité. C'est l'esprit d'unité. Donc dans premier jour tridium là, faut comprendre que l'esprit a permet que communion ça fait dans l'église. Permettre que nous chaque nous partagions même foi, quelle que soit distance que nous y est, nous partagions même foi si nous sommes catholiques, et qui fait que nous liés ensemble parce que le n'a récité credo qui ça nous fait nous dit je crois en Dieu le Père tout puissant. Nous tous récité même bagaille et nous recevions même baptême au nom de Jésus et nous recevions même onction, yon même imposition des mains et si nous est Père qui imposait nous mains. Les mains et que nous ta aller ça nous fait non c'est-à-dire dans ab généalogique li pour nous que évêque qui était ordonné pour ça pour nous évêque qui était ordonné évêque ça évêque faire un ab généalogique n'a tombé sur un apôtre Jésus-Christ. Donc c'est une retransmission qui fait de manière fidèle mais retransmission ça possible grâce à l'esprit parce que tout ce qu'il a ordonné dans l'esprit Saint père a ordonné dans l'esprit Saint évêque l'a ordonné dans l'esprit Saint. Donc maintenant, c'est l'esprit qui facilite la retransmission. Et nous-mêmes,
comme chrétiens, comme fidèles, eh bien, nous recevons l'Esprit pour nous faire retransmission parole, bon Dieu. Et même des cas que gagne des timons qui pral mourir comme si qui t'a fait et puis que nous est que bon il pral mourir un simple fidèle capable baptiser avant que le mourir. Ben bien oui, nous relé ça endoyé mais en quelque sorte n'importe fidèle capable baptiser un timon qui presque mourir. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Li baptiser. Donc c'est-à-dire l'Esprit a facilité connexion, il facilité retransmission, il facilité compréhension. Il facilité compréhension. Parce que quelque part, frère Maxime, parole bon Dieu a demandé une compréhension. Si vous ne pas comprendre parole, pour imprégner, si vous ne pas recevoir la grâce pour ça, vous êtes capable de prendre toute la Bible par cœur. Vous capable yon intellectuel, vous connaissez tout, vous réciter, vous reproduire. Mais un message extraordinaire, message spirituel là, ou capable jamais recevoir. Donc on a regardé dans sur YouTube là, il y a un citoyen qui dit la démasquer charlatan. Il connaît verset au par cœur, c'est bien. Mais connaît verset au par cœur, c'est une. Mais capacité pour interpréter et jouer un message spirituel qui sortit là-dedans, là, pral difficile parce qu'on pas recevoir l'esprit. Ou capable réciter par cœur, bien sûr. Verset un tel dit tel bagaille, c'est bien. Mais qui message spirituel, qui sa Jésus, qui sa bon Dieu vle dim à travers parole ça. Et c'est l'esprit bon Dieu qui pral bon sens et intelligence pour que ou même ou capable rive maîtriser ça. Par des charismes, par des dons extraordinaires. Nous connaissons les 7 dons du Saint-Esprit. Donc il y a ça nous le don d'intelligence. Et don d'intelligence, ça permet que ou comprendre ou maîtriser et ou retransmettre et fidèlement. Parfois qu'on rencontre un fidèle qui pas fait théologique, pas fait mais qui gagne le don et le charisme de l'intelligence qui rivait décortiquer parole là et convaincre des monde qu'on pas d'argent penser avec une maîtrise extraordinaire. Pour quelle raison? Mais parce que il recevoit l'Esprit Saint hein? Mais surtout le don d'intelligence. C'est-à-dire nous chaque si nous pas vivre dans unité avec bon Dieu, si nous pas m'connaître dans Jésus, et bien comment nous pas recevoir l'esprit? Non. Pas gain recevoir l'esprit Saint si que déjà ou pas tisser avec Jésus une relation très étroite. Pas gain grandir spirituellement si nous pas tisser avec Jésus une relation étroite. Pas gain connexion avec bon Dieu si ou pas tisser avec Jésus une relation étroite. Donc, en quelque sorte, lorsqu'on tisse avec Jésus en relation avec toi, eh bien, Jésus a partagé plus gros don que le gagne, c'est qui c'est? L'esprit. Parce que c'est lui qui plus gros don que Jésus gagne. C'est plus gros bagaille que bon Dieu capable de faire, non. C'est le don de son esprit. C'est plus gros partage. C'est ça que pour moi-même, bon Dieu gagne de plus précieux. C'est l'Esprit Saint. Or, lui partage là avec nous. Donc, en quelque sorte, il faut que nous, chaque nous-mêmes, nous conscients que nous recevons réalité extraordinaire qui est la puissance de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit Saint. Et c'est lui qui a fait nous vivre unité. C'est là qu'il recevait l'Esprit bon Dieu prêt pour mettre ensemble. Prêt pour mettre ensemble. C'est là qu'il recevait l'Esprit bon Dieu pas capable de faire chemin seul. Mais chemin toujours avec. C'est là qu'il recevait l'Esprit bon Dieu pas vivre dans un espace fermé. Mais c'est là qu'il ouvre, qui dynamique. C'est celui-là qui est prêt pour aller rencontrer l'autre. C'est celui-là qui est prêt pour le dialoguer. C'est celui-là qui est prêt pour le comprendre tout. C'est celui-là qui est capable, c'est ça nous avons empathie, mettre en place l'autre là pour essayer de comprendre qui ça la vive comme réalité. Donc l'Esprit bon Dieu a facilité que nous vivions les communions, l'Église là mieux. Les facilité relation nous avec Jésus. Parce qu'il faut nous comprendre que notre Trinité n'a pas de jalousie. Pas parce que dit ah, si je prie l'Esprit Saint, Jésus pourrait le faire jalousie. Non. Pas si je prie l'Esprit Saint, papa pourrait le faire jalousie. Non. Parce que si l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Papa avec visite là, donc pas qu'il y ait jalousie. Attention. Et c'est véritable communion, ça gagne dans l'Église, là, qui est extraordinaire. Pas qu'il y ait jalousie l'Église, parce que l'Esprit, c'est l'Esprit Papa avec visite là. Donc s'il c'est pour papa, li pour petite là, s'il m'a prié l'esprit là, papa joue une gloire, petite là, joue une gloire. On nous demande Jésus dans la messe pour le remplir nous avec l'esprit. Pour que réellement nous vivions
yon Pentecôte qui renouvelé chaque jour. C'est-à-dire, si là chaque jour gon prière pour demander bon Dieu t'en prie, ben moi l'esprit ou là. Remplis-moi avec l'esprit ou là. Imprégnez toute vie avec l'esprit ou là. Transformez la vie avec l'esprit ou là. Fait que l'esprit ou là tourne pour moi yon encyclopédie. Que à chaque fois gon bagay que me besoin comprendre, moi plonger dans l'esprit a. Et que moi maîtriser pas en réalité qui sorti dans yeux ça mais qui pas rentrer dans cerveau et qui arrive dans cerveau pour cerveau pas capable déchiffrer le détailler et que pour que il rentre dans tout moi-même mais faut que réellement l'esprit a permet que eh bien parole bon Dieu a rentré dans moi li transforme li transformer quotidien li transformer agir moi li transformer façon que moi li transformer façon que me parler façon que m'entreprendre relation avec l'autre monde. Donc voilà, donc l'esprit bon Dieu c'est ça pour nous demander. Et si là qui vivent sous la mouvance de l'esprit agit réellement eh bien de façon extraordinaire parce que parole c'est des paroles inspirées. Parole langage c'est un langage inspiré. Langage c'est un langage qui a une onction. Donc l'on prononce un mot c'est pas un mot qui décourage, un mot qui fait souffrir, mais un mot qui est grandi. Et c'est pour ça hein, pour nous demander l'esprit Saint. Vini l'esprit Saint. Naptano, vini. Vini l'Esprit Saint, naptano. Vini l'Esprit Saint, naptano. Vini l'Esprit Saint, naptano. Vini l'Esprit Saint, naptano. Oui, l'Esprit d'intelligence, posez son nom. L'Esprit de crainte du Seigneur, posez son nom. L'Esprit de force, posez son nom. Esprit de conseil, Esprit de science. Esprit de piété, posez son nom, remplis-nous. Conduis-nous vers la vérité réelle. Conduis-nous à papa, guidez-nous vers papa. Remplis-nous réellement. Retirez-nous dans l'obscurité qui enveloppait la vie nous. Retirez-nous dans l'obscurité que chaque jour n'a pas enfoncé, dans un abîme. Mais l'esprit fait lumière jaillir dans tout espace. Lieu de fonctionnement nous yo. Aidez nous comprendre et maîtriser parole bon Dieu pour que réellement nous capables tourner des véritables émetteurs pour que réellement si là yo capable écouter parole là et comprendre ni réellement. Oui, remplis nous l'Esprit Saint avec différents dons yo. Remplis nous avec différents charismes yo. Aidez que pour que nous capables très dynamique, pour que nous en mouvement pour bon Dieu. Pas quitter nous retons côté stable, statique, mais fait que nous en marche pour que réellement, dans tout espace, au recoin que nous passons, nous capables de retransmettre parole, bon Dieu, fidèlement. Vini l'Esprit Saint, naptano. Vini l'Esprit Saint, naptano. Chassez dans nous l'Esprit Saint toute forme de tiédeur, peur, pour que réellement nous capables, sans crainte, mais avec certitude intérieure que n'a pas les, eh bien, pour mon Dieu et pour Jésus, réellement, pour que vraiment, parole nous va des paroles qui inspirent. Pour que toute peur de t'as capable de dire, quel que soit le monde qui est capable devant nous, quel que soit le monde qui est capable là, mais pour que réellement, nous connaissons pas parler sous la mouvance de l'esprit. Et pour que toute peur et tiédeur disparaissent dans la vie nous, et que nous sommes capables de un cœur qui est chaud, qui éclate pour parler pour bon Dieu. Vini l'Esprit Saint, naptano. Vini l'Esprit Saint, naptano. Chassez dans nos tiédeurs, chassez dans nos peurs, chassez dans nos toutes craintes négatives. La crainte de Dieu, c'est un don. Mais une deuxième crainte qui sont craintes qui, eh bien, qui rendent nous réellement bloqués, nous pas capables d'avancer. Vini l'Esprit Saint naptano. Vini l'Esprit Saint naptano. L'Esprit Saint guidez-nous vers la vérité. Guidez-nous vers la lumière. Parce que Jésus dit nous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis la lumière du monde. Guidez-nous réellement vers Jésus qui c'est véritable lumière là. Vini l'Esprit Saint naptano. Vini l'Esprit Saint naptano. L'Esprit Saint dirigez pas nous. Quel que soit côté n'a pas mis tes pieds nous. Dirigez bouche nous pour que parole qui a sorti la donne va des paroles inspirées qui gagne onction. Dirigez main nous pour que quel que soit côté nous poser main ça et bien va réaliser des miracles extraordinaires. Vini l'Esprit Saint naptano. Vini l'Esprit Saint naptano. Oh l'Esprit Saint
descend sur nous, l'Esprit Papa, l'Esprit Papa, envahis-nous, Esprit Jésus, l'Esprit Jésus, comblez que nous, ô l'Esprit Saint, ô l'Esprit Saint, chantez dans nous, c'est où qui baille tout don, ton conseil avec force, la science avec piété, sagesse, intelligence, respect pour mon bon Dieu. Descend sous nous, l'Esprit Papa, envahis-nous, l'Esprit Jésus, comblez que nous, ô l'Esprit Saint, pour nous capables de faire litanie à l'Esprit Saint. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père du ciel, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Saint-Esprit, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Trinité sainte, un seul Dieu, prends pitié de nous. Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, viens en nous. Esprit qui est Seigneur, viens en nous. Esprit Saint de qui Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, viens en nous. Esprit Saint, source de toute grâce, viens en nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens en nous. Esprit de conseil et de force, viens en nous. Esprit de science et de piété, viens en nous. Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous. Esprit de foi, d'espérance et d'amour, viens en nous. Esprit de justice et de sainteté, viens en nous. Esprit de vérité et de lumière, viens en nous. C'est où qui baille tout don, ton conseil avec force, la science avec piété, sagesse, intelligence, respect pour bon Dieu. Ô l'Esprit Saint, descend sous nous, l'Esprit Papa, envahis-nous, l'Esprit Jésus, comblez que nous, ô l'Esprit Saint, chantez dans nous, don du Père et du Fils, viens en nous, Esprit d'en haut descendu sur les apôtres, viens en nous, Esprit d'infaillibilité qui gouverne l'Église, viens en nous, Esprit d'adoption des enfants de Dieu, viens en nous, charité ardente répandue dans nos cœurs, viens en nous, Esprit Saint qui nous inspire le bien, viens en nous, Esprit Saint qui nous détourne du mal, viens en nous, Esprit Saint qui nous protège du démon, viens en nous, Esprit Saint qui nous délivre des tentations, viens en nous, Esprit Saint qui nous guérit et nous rend pur, viens en nous, Esprit Saint qui fait de nous son temple, viens en nous, Esprit Saint qui nous rend attentifs aux inspirations des anges, viens en nous, Esprit qui nous inspire la vraie prière, viens en nous, Esprit d'adoration et de louange, viens en nous, Esprit d'intercession et de bénédiction, viens en nous, Esprit de confiance et d'abandon, viens en nous, Esprit de douceur et d'humilité, viens en nous, Esprit de miséricorde et de patience, viens en nous, Esprit de tendresse et de compassion, viens en nous, Esprit de consolation et de joie, viens en nous, Esprit Saint qui est notre seule force, viens en nous, Esprit de délivrance et de victoire, viens en nous, Esprit Saint, notre Seigneur et notre Dieu, nous t'adorons et nous t'aimons. Esprit Saint qui nous aime, exauce-nous. Esprit Saint que nous contristons, pardonne-nous. Prions, Père très bon, par Jésus tu as promis que quiconque demanderait ton Esprit Saint avec la confiance d'un enfant ne serait pas déçu. Nous te remercions pour le don sacré que tu nous fais et en union avec cet Esprit divin, nous t'offrons le monde et notre vie comme Jésus sur la croix. Amen.